Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Nous allons donc faire un débat sur les Nations Unies. Nations Unies qui sont un petit peu au cœur de l'actualité, puisque le secrétaire général des Nations Unies était à Paris pas plus tard qu'il y a 2 jours, et qu'il a fait un discours, le discours d'ouverture du Forum de Paris, juste après le président de la République et la chancelière allemande à la Villette, et où il a répondu un peu aux attaques qui sont portées sur les Nations Unies. Alors, on est là aussi pour un livre, « Qui veut la mort de l'ONU ?», dont les deux auteurs, Anne-Cécile Robert, qui est une amie et une collègue de Paris 8, et Romuald, qui est un ami et qui lui est à New York et donc qui est au plus près de la Maison de Verre pour la suivre. Et puis Jean-Marc de la Sablière, qui, après avoir été le Sherpa du président de la République, Jacques Chirac, a été ambassadeur aux Nations Unies, ambassadeur de France aux Nations Unies, avant de l'être à Rome, et donc qui connaît de l'intérieur la maison. Donc le titre est provocateur, forcément, mais en même temps, on sent bien qu'il y a une inquiétude par rapport aux Nations Unies. À la fois une inquiétude, un désenchantement, et que pour les, disons, les partisans du multilatéralisme, qui, je pense, sont nombreux ce soir, il y a un peu à la fois le reproche constant fait à l'ONU de ne pas être assez efficace, de n'être pas là à temps pour résoudre les conflits, pour y mettre fin, et en même temps la crainte que d'autres attaquent l'ONU, mais pour d'autres raisons. Non pas pour que ça aille mieux, mais pour que ça n'aille plus du tout. Et pour dire qu'on se passerait bien, et d'ailleurs, fait quand même non négligeable, l'actuel conseiller à la sécurité de l'actuel président des États-Unis, John Bolton, qui a été pendant 2 ans ambassadeur sans être confirmé aux Nations Unies, avait été jusqu'à dire que si on rasait cette maison de 10 étages, ça ne serait pas si grave que cela. Donc, ce qui montrait quand même le peu d'amour qu'il avait pour l'institution. Et je crains qu'il qu'il n'ait pas changé d'avis entre-temps, et que même il soit encore plus près de la machine décisionnaire pour pouvoir y porter atteinte. Donc, est-ce que les Nations Unies sont vraiment en danger? De quelle nature est-elle en danger? Est-ce que c'est un danger sur le budget, un danger sur l'existence même, sur la participation? Où en est-on par rapport à cela, et que faut-il, quels sont les moyens d'action à faire? Est-ce que les odes au multilatéralisme que l'on a entendues de dimanche à hier, porte de la Villette, sont dans l'air du temps, ou est-ce qu'elles sont minoritaires? Bref, comment tout ceci s'organise? On aura donc l'occasion d'en débattre avec nos 3 conférenciers, que je remercie d'être venus jusqu'ici, Romuald spécialement de New York, par ailleurs, Anne-Cécile et Jean-Marc de Sablière d'un peu moins loin, mais néanmoins de prendre sur leur agenda pour venir. On va peut-être commencer par toi, Anne-Cécile. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, pour lancer le débat, dire en quoi les Nations Unies sont mortelles? Est-ce que le danger est réel sur leur vitalité? Merci beaucoup, Pascal, et merci beaucoup à toi et à l'IRIS d'organiser ce débat qui, je l'espère, va être très constructif. Alors, évidemment, nous ne nous voilons pas la face, les Nations Unies ne sont pas exemptes de critiques, et elles prêtent plus souvent le flanc à la critique qu'à leur tour. On préfère un véritable bêtisier, d'ailleurs, Romuald et moi-même relatons quelques anecdotes qui révèlent les tares des Nations Unies. Donc il ne s'agit pas de procéder à un déni de réalité en vous disant que les Nations Unies sont parfaites, que tout va bien et qu'il n'y a rien à dire. Non, il s'agit en revanche de remettre les choses à leur place et en particulier de faire la part des choses. Souvent, quand on attaque les Nations Unies, qui attaque-t-on vraiment? On dit les Nations Unies ont fait ça ou n'ont pas fait ça, et en fait, on ne dit pas qui. Ça peut être le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, et en général, c'est l'une des thèses qu'on développe dans le livre, ce sont souvent les États eux-mêmes qui sont fautifs. On accuse les Nations Unies, mais en fait, les Nations Unies, c'est d'abord une organisation d'État. Et une première chose qu'on pourrait faire, c'est rappeler la responsabilité première des États. Et l'autre chose qui nous a semblé importante, c'est de souligner la nécessité d'avoir, au travers de l'ONU, un espace de discussion. Un espace, bon, aujourd'hui, c'est un mot à la mode, le multilatéralisme, un peu trop à la mode à mon goût, parce que on balance le mot, mais on ne dit pas très bien de quoi il s'agit. On pourra en discuter si vous voulez, mais on a besoin d'un espace pour mettre les États autour d'une table et discuter. L'une des difficultés de la période actuelle,
c'est que les divergences entre les grandes puissances sont telles que le dialogue se fait mal ou pas du tout. Et l'un des enjeux de la période, c'est rétablir le consensus. Et moi, c'est le sens que je donnerais à la défense du multilatéralisme. C'est non pas de proclamer en pleurant sous l'arc de triomphe « Vive la paix !» tout en étant soi-même des marchands d'armes, mais ça, c'est un autre débat. Il s'agit de dire concrètement qu'est-ce qu'on veut dire par le multilatéralisme. C'est le sens du dialogue. Et je ne suis pas persuadée que les grandes puissances aujourd'hui fassent vraiment preuve du nécessaire sens de dialogue. Par exemple, quand ils s'ostracisent ou s'excommunient les uns les autres, les Chinois excommunient les Anglais, les Américains excommunient les Français, les Français excommunient les Russes, tout le monde excommunie les Russes, d'ailleurs, bon, c'est pas la base d'un vrai dialogue multilatéral. Donc l'enjeu de la défense de l'ONU, c'est la défense du dialogue international, de ce qu'on appelle la coopération internationale, la construction collective d'un ordre international. Et ça, effectivement, Pascal a raison de le souligner, c'est ça qui est en danger aujourd'hui. On sent bien que ce qui domine aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de construire ensemble, au-delà des mots, c'est en fait de se tester. On sent que les puissances ont envie de se tester, et pour ça, quoi de mieux que l'affrontement. Et comme les grandes puissances et leurs dirigeants sont tentés, parce que les cartes se sont beaucoup redistribuées ces derniers temps, de savoir enfin qui est le plus fort en se tapant dessus, si nous, société civile, entre guillemets, nous, intellectuels, nous, chercheurs, nous, étudiants, ne nous mettons pas un petit peu de la partie pour rappeler à nos dirigeants l'exigence qu'ils ont à coopérer pour maintenir la paix, ils ne le feront pas tout seuls. Merci. Merci Anne-Cécile. Je me tourne vers toi, Romuald. Tu es établi à New York depuis 15 ans. Tu travailles donc avant, en fait, tu es venu à New York parce que tu travaillais sur les Nations Unies. Tu n'as pas travaillé sur les Nations Unies parce que tu étais à New York. C'est plutôt dans le sens inverse. Tu as connu la plupart des secrétaires généraux, peut-être pas d'Amar Hamasol, mais enfin au moins depuis. Tu es trop jeune sinon pour le reste. Et donc, pour rebondir sur les propos d'Anne-Cécile, comment tu vois les choses et est-ce que tu penses que le danger, effectivement, devient plus présent, s'accélère et que les Nations Unies sont un peu plus étouffées chaque jour dans leur action et dans leur capacité d'action? Oui, tout à fait. Ça marche? Oui, ça marche. C'est de plus en plus évident, c'est une des raisons qui nous a poussé, Anne-Cécile et moi, à écrire cet ouvrage. On se connaît avec Anne-Cécile depuis une quinzaine d'années, nous avons collaboré sur différents projets. Il y a un an et demi, nous avons coécrit ensemble un essai avec le président de l'Assemblée générale. Et Anne-Cécile est une spécialiste de l'ONU, mais tu n'avais pas encore écrit l'ouvrage sur l'ONU. Et nous avons décidé ensemble de poursuivre cette collaboration, alors que j'avais déjà eu l'opportunité d'écrire plusieurs bouquins sur les Nations Unies, pour lancer un cri d'alarme. Comme le disait Anne-Cécile, les Nations Unies, évidemment, sont loin d'être une organisation parfaite. Pour ceux qui liront le livre, il y a une quantité d'anecdotes qui démontrent au quotidien combien cette organisation ne fonctionne pas comme elle le devrait. Néanmoins, c'est la seule chose que nous ayons. Les Nations Unies sont la seule organisation supranationale un tant soit peu représentative à un niveau démocratique. Le combat qui se mène aujourd'hui, qui justifie donc ce travail, qui est plus qu'un bouquin, qui est un engagement, qui est, comme on le dit, un grand cri d'alarme, est que nous sommes dans un combat d'enjeux civilisationnels. Nous ne sommes pas en train de parler de la survivance de l'OTAN, par exemple. C'est un autre débat. Est-ce que l'OTAN doit exister ou pas? Si demain l'OTAN ferme les portes, ça peut être un grand enjeu stratégique, mais on ne sera pas dans un débat d'ordre civilisationnel. Les Nations Unies, c'est toute une vision humaniste de l'humanité, de notre histoire commune, issue en partie de la Révolution française, donc deux siècles d'héritage, qui est aujourd'hui en jeu. Les Nations Unies, aussi imparfaites soit l'organisation, est issue d'un rêve né avec la Société des Nations, qui s'est poursuivie à travers l'œuvre de Roosevelt et donc la création de l'organisation en 1945 à San Francisco, et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, pour répondre à Pascal, oui, les taux se resserrent, non pas tant sur une organisation qui peut disparaître demain, on peut la remplacer par une autre et ça sera très bien, mais autour de l'idée de ce que représentent les Nations Unies, c'est-à-dire d'une société, une communauté, entre guillemets, internationale, bâtie sur un ordre multilatéral, ce qui veut dire sur le respect d'autrui
et sur le dialogue. C'est ce qui est aujourd'hui en danger pour les raisons qu'on le connaît très bien, et la raison donc de ce petit bouquin qui, je le répète, est un cri d'alarme. Merci. Merci. Monsieur de la Sablière, comment voyez-vous la situation ? Est-ce que vous pensez que, par rapport à l'époque où vous étiez ambassadeur de France aux Nations Unies, la situation s'est dégradée ? Et comment, vous qui avez vécu de l'intérieur, la diplomatie multilatérale, vous pensez que le multilatéralisme est-ce qu'il y a une crise profonde ? Ou est-ce que, finalement, il en a toujours été ainsi et qu'il a toujours été difficile de s'en aller à plusieurs, qu'il y a toujours des difficultés et que les Nations Unies ont toujours marqué une différence entre les rêves des rédacteurs de la charte et la réalité stratégique et diplomatique ? Je vais essayer de répondre. J'avais préparé une intervention sur le livre, mais je vais donc essayer de vous répondre. Puisque vous me évoquez mon expérience, bien sûr qu'elle compte dans mon analyse. J'ai été 3 fois à New York pendant la guerre froide, 81-85, comme représentant permanent au pic du Conseil de sécurité, New World Order, quand le Conseil de sécurité a décidé l'usage de la force pour libérer le Koweït. Et puis j'y étais ensuite pendant 5 ans comme ambassadeur, pendant notamment la crise irakienne. Alors, nous avons tendance aujourd'hui à voir le multilatéralisme et les atteintes qui sont portées au multilatéralisme d'une manière globale. Le climat, on sort de du Conseil des droits de l'homme, la Syrie est bloquée, ça ne marche pas. Le multilatéralisme, d'ailleurs, est aussi attaqué au niveau régional. Je pense qu'il faut garder cette approche, on peut y revenir, mais quand on fait les analyses, il faut peut-être voir où sont les Nations Unies, il faut prendre les différents secteurs. Hein, donc vous ne pouvez pas prendre les choses globalement. C'est-à-dire où on est aujourd'hui, par exemple, pour commencer par le pilier le plus important, la paix et la sécurité internationale. Alors, quand tout à l'heure je faisais référence à l'expérience, pourquoi j'ai c'est parce que le système qui a été créé pendant la guerre, vous savez, plus jamais ça. Alors, ils ont commencé à discuter en 1943, et puis les trois, Roosevelt, donc, qui était inspiré, tout ça, Churchill et Staline, et pour adopter la charte à San Francisco. Bien. Le système qu'ils ont mis en place, qui est un système, pas comment ils auraient pu y en avoir un autre, qui est en fait un quasi-directoire. Bon, je dis quasi, parce qu'il y a des membres permanents et des membres non permanents. Donc le système ne peut pas, ça il faut bien le comprendre, ne peut fonctionner que si les 5 peuvent travailler ensemble. Anne-Cécile l'a dit très justement, et ça c'est la base. Donc, quand ils ne travaillent pas ensemble, quand ils ne s'entendent pas, eh bien c'est pendant la guerre froide, il ne se passe rien au Conseil de sécurité. De temps en temps, les Russes sont d'accord, on fait l'affaire de Chypre, sur le Congo, il y a eu des histoires, bon, ben, finalement, il y a eu des... Grâce à Dacol Marshall, il y a eu des choses. À un moment donné, on invente, quand le Conseil est bloqué, cette résolution d'Inachesson pour essayer de poursuivre l'affaire coréenne. Les Russes étaient partis, donc on a agi sans eux, puis quand ils ont vu ça, ils sont revenus, ils ont bloqué, donc on a trouvé une solution pour continuer. Mais ça ne marche que si les 5 sont d'accord. Alors les 5, guerre froide, ça ne marche pas. Quand le démembrement de l'URSS, les Russes qui sont faibles ont intérêt à ce que les discussions se passent au Conseil. Ça marche formidablement. Et puis ensuite, ça marche plus ou moins bien. Il y en a la crise de 2003. Moi, j'étais là-bas, donc c'est une crise incroyable. Je veux dire, les gens disaient à l'époque, l'ONU ne survivra pas. Mais les Américains et les Britanniques ont eu des tas de problèmes sur le terrain. Et donc, ils ont voulu revenir à l'ONU pour les aider à faire leur reconstruction politique. Alors, c'est quoi ? Alors, ensuite,
ça n'a pas si mal marché. Et puis depuis 2011, depuis l'affaire libyenne et depuis la crise syrienne, ça ne marche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine de la paix et de la sécurité, on a besoin d'une coopération entre les grandes puissances, et c'est la responsabilité des États, comme le disait Cécile, qui travaillent ensemble. Alors maintenant, l'ONU, ce n'est pas uniquement, alors prenons le secteur, l'ONU, ce n'est pas uniquement la paix et la sécurité. Quand vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, dans le domaine économique et développement, ça a très mal marché pendant les décennies. Alors, si on peut vous dire, la Pucelle a fait des choses, bon. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé entre la décolonisation, même avant, c'est-à-dire avec le fait, comme le livre le dit très justement, que les institutions de Bretton Woods ont été créées avant même, si vous voulez, San Francisco, elles sont devenues institutions spécialisées des Nations Unies, mais elles ont négocié leur indépendance. Hein, c'est ça qui s'est en réalité passé. Et donc, dans le domaine du développement, il s'est passé quelque chose en 2000, extraordinaire. Avant, vous aviez un échec de la, disons, de tout ce qui a été le nouvel ordre économique, la CNUSED, tout ça a explosé avec le quadruplement des prix du pétrole, enfin tout le système de préférence généralisé n'a plus servi à rien à partir du moment où, dans le domaine des accords multilatéraux commerciaux, ont diminué les droits de douane. Enfin, si vous voulez, tout le système qui a été inventé a perdu. Deuxièmement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, échec aussi, parce qu'à un moment donné, après la hausse du prix du pétrole, le développement du crédit, du pétrodollar, etc., les États, beaucoup d'États se sont retrouvés surendettés, et la Banque mondiale et le Fonds monétaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont remis de l'ordre en cassant un peu le social, les trucs. Donc il y a eu, alors il y a, c'est pas aussi schématique que je le dis, il y a eu ce qu'on appelle l'initiative PPTE pour rendre, pour que la dette des pays les plus pauvres puisse être financé. Bon, mais il y a eu un échec également du côté de Bretton Woods. Et puis, il y a un échec de la solidarité. Moi, je me souviens très bien, accompagnant le président Chirac au Mexique en 2000, que le niveau de l'aide, des aides au développement était complètement tombé, hein, je veux dire, complètement tombé. La solidarité entre les pays du Sud était tombée. Et puis là, il s'est passé quelque chose de formidable. Il s'est passé que, et moi je pense que Kofi Annan en a en grande partie, le crédit, c'est que l'ONU s'est mis à faire de la politique dans ce domaine, et qu'avec l'identification des 8 objectifs du millénaire, simple, en prenant comme base des choses que la Banque mondiale avait dit d'ailleurs dans les années 72, en partant de la pauvreté, des indicateurs simples, la faim, des indicateurs simples. Elle a mobilisé et réuni tous ceux qui, alors à la fois les pays donateurs, les pays récipiendaires et toutes les institutions, y compris la Banque mondiale, y compris l'Union européenne, tout le monde a tiré dans le même sens. Il y a une mobilisation extraordinaire. Ensuite, vous avez les objectifs de développement durable. Et c'est pas loin. En 2015, vous avez la COP21. En 2015, c'était il y a 3 ans. Vous avez la résolution du Conseil de sécurité où il y a un accord entre les Américains et les Russes sur le chimique. C'est-à-dire, comme les Russes ne voulaient pas, avaient peur qu'il y ait, si vous voulez, un bombardement à la suite de l'utilisation d'armes chimiques, ils ont convaincu les Syriens de venir partie au traité sur l'interdiction des armes chimiques. Hein, et puis, à partir de là, normalement, si vous voulez, il y avait une résolution du Conseil de sécurité, il y avait une très bonne coopération qui s'est faite, on ne devait plus, alors les Russes n'ont ensuite pas été suffisamment attentifs du côté des Syriens, on ne devait plus utiliser d'armes chimiques, d'ailleurs elle a peut-être détruite, une grande partie, je pense, 95% sans doute, a été détruite. Donc il y a 3 ans, vous avez cette résolution sur le chimique, vous avez la COP21, vous avez une conférence fantastique sur le financement du développement. Vous avez des décisions qui sont prises concernant l'accord de Montréal sur la couche d'ozone, une conférence au Rwanda. Donc, tout ça pour dire, ça va très vite, dans un sens ou dans l'autre. Et actuellement, pour répondre à la question, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Au Conseil de sécurité, vous avez sur les dossiers qui sont les dossiers considérés comme stratégiques par les grandes puissances, considéré comme stratégique,
déblocage. Vous avez un blocage sur la Syrie. On est passé en 2011 d'une situation où le Conseil de sécurité faisait des choses très faibles sur le règlement politique, pas mal sur l'humanitaire, bien sur le chimique, à une situation où on ne fait rien pratiquement sur le chimique, c'est fini. Sur le règlement politique, ça se passe ailleurs, et d'ailleurs, ils ne trouvent pas la solution. Et sur les affaires humanitaires, ça se passe moins mal, sauf lorsqu'il y a les attaques syriennes, par exemple à Alep, à ce moment-là, le dispositif ne fonctionne pas, parce que les Russes ne font pas, le dispositif ne fonctionne pas. Donc, vous avez un blocage là. Ça a produit des métastases, sur l'affaire chimique. Parallèlement, vous avez Donald Trump qui arrive et qui sort de l'accord sur l'Iran. Lequel accord avait été garanti par le Conseil de sécurité qu'il a complètement ignoré. Lequel accord est appliqué par l'Iran. Vous avez donc une situation, des tensions au Conseil de sécurité. Bon, mes collègues me racontent les discussions, je veux dire, on est quand même, tout ça est assez tendu. Bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'a pas tout envahi, y compris dans des dossiers, sur les dossiers qui sont des dossiers très, très considérés comme stratégiques. Il y a encore la possibilité de passer des résolutions. Moi, je pense que sur le Yémen, par exemple, il y a encore la possibilité de passer des résolutions. Actuellement, je me semble, si vous voulez, que l'affaire Khashoggi et l'affaiblissement de Mohamed Ben Salman va faire bouger les choses. Et dans les dossiers qui ne sont pas les dossiers considérés comme stratégiques, eh bien, il y a des... Quand la Colombie demande, par exemple, des observateurs pour surveiller l'accord avec les FARC, bon, c'est pas un problème, il suffit de demander au Conseil de sécurité, on les donne, hein, je veux dire. Bon. Et sur l'Afrique, qui représente la moitié, si vous voulez, du programme de travail du Conseil de sécurité, si on a des difficultés au Mali, au RCR, au Soudan, du Sud... au Darfour et au RDC, c'est pas parce que les membres permanents ne s'entendent pas, c'est parce que y a des raisons qui font l'objet de rapports, si vous voulez, qui sont fondamentalement le fait qu'on n'a pas suffisamment été attentif au fait que on s'est déployé, on a déployé des milliers de personnes alors qu'il n'y avait pas d'accord politique véritable, si vous voulez, il n'y avait pas un processus politique. Or, les Nations Unies, elles font pas seulement du militaire, elles ont l'objectif, c'est de trouver, si vous voulez, des solutions politiques. Et quand vous n'avez pas un processus politique qui soit un processus politique crédible, hein, cela, il n'y en a pas, eh bien, vous avez les casques bleus qui sont sur le terrain et qui essayent de faire de leur mieux sur le plan humanitaire, hein, je veux dire. Bon. Et donc, il y a différentes raisons à ça. Donc, si vous voulez, c'est pas très brillant dans le domaine aujourd'hui. C'est pas très brillant dans le domaine paix sécurité, mais pas aussi mal qu'on le dit encore, avec des risques que les choses dérapent. Ce n'est pas bon, si vous voulez. Je trouve que la sortie dans l'affaire climatique... d'ailleurs, ça s'est dégradé. Ce que je vous ai décrivé en 2015, c'est plus le cas, ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit sur ces acquis 2015, et puis on espère, si vous voulez, que l'épisode Trump sera pas trop long, hein, pour dire les choses. Donc, il y a aujourd'hui, si vous voulez, le sentiment, je pense, en grande partie à cause du blocage en Syrie, du fait que les Russes, n'est-ce pas, ont une responsabilité dans cette affaire, et c'est eux qui ont la sortie de l'affaire syrienne, et parce que vous avez l'administration Trump, vous avez le sentiment, à juste titre, qu'il y a un système multilatéral et des Nations Unies qui sont fragilisés, et donc c'est voilà. Merci. Anne-Cécile, il y a trois missions principales des Nations Unies, le maintien de la paix, la sécurité collective, enfin liée, le développement économique et la protection et la promotion des droits de l'homme. Sur ces trois missions, historiquement, depuis la création, comment juges-tu le bilan des Nations Unies et est-ce que les progrès, à quelle part de progrès lui sont dus ou dus à d'autres acteurs? Est-ce que l'on peut faire très rapidement et peut-être un peu sommairement un bilan de ces trois domaines et du rôle que les Nations Unies ont joué dans ces trois domaines, ou peut-être deux d'entre eux si tu préfères? La réponse est non, on ne peut pas faire un bilan dans un temps aussi court. Non, je vais quand même essayer de répondre quelque chose, mais la question est extrêmement vaste. On peut quand même, dans le prolongement de ce que vient de dire l'ambassadeur de la Sablière, constater que les Nations Unies ont rempli leur rôle de faire progresser l'entendement ou la conscience humaine, comme on disait dans le temps, sur un certain nombre de dossiers clés, comme le climat, comme le développement. Ce sont les Nations Unies qui ont
abriter et organiser la décolonisation. Donc, elles ont rempli en bonne partie ce rôle qui est de créer un espace de discussion. Ça paraît, je vois vos regards un peu sceptiques, ça paraît un peu bisounours comme ça de dire on va créer un espace de discussion, mais il faut se rendre compte de ce qu'était le monde avant qu'il y ait un espace de discussion. C'est-à-dire ça se réglait sur le champ de bataille, il n'y avait pas de procédure, et chacun tirait un petit peu dans son coin. Donc, et lorsque on évoque, lorsque l'ambassadeur évoquait la COP21, on voit bien que la création d'un espace de discussion par les Nations Unies sur un sujet aussi important que le climat est apporté à son crédit et peut contribuer à vraiment faire évoluer les choses. Ce que je crains, moi, qui nous a conduit, Romuald Saura et moi-même, à écrire ce livre, c'est, excusez-moi, je vais employer les grands mots, parce que je pense que la période est très grave, c'est un affaissement de la conscience. Je pense qu'en ce moment, il y a un affaissement global de la conscience. Dans les classes dirigeantes, je dirais là un peu de démagogie, dans les classes dirigeantes plus que chez les citoyens, non ça c'est hyper démago, hein, on coupera au montage, mais je pense sérieusement que le niveau moyen des dirigeants, des gens qui nous gouvernent, est très bas. On est dirigé par des gens médiocres. Alors Donald Trump fait figure d'emblème de bêtise, mais le niveau moyen de discussion internationale est très bas. Ce qu'ils ont fait, bon je vais essayer de réveiller un peu la salle, ce qu'ils ont fait pour le 11 novembre est carrément pathétique. Enfin, franchement, j'essaie de chercher des mots châtiés. Se bercer d'illusions, de grands mots, le multilatéralisme, la paix, alors que quand même la France, qui se fait la championne du multilatéralisme, organise un forum international sans l'ONU. C'est-à-dire, quelle organisation ? Oui, Guterres a été invité, merci beaucoup. Muchas gracias. Enfin, la logique aurait été que la France, en bonne défenseuse des Nations Unies, propose à l'ONU d'organiser ce forum et s'y joigne. Là, regardez les organismes fondateurs, il n'y a pas l'ONU. Et il y a la première fois que j'ai entendu parler de ce forum, c'était au mois de juin, forum qui a été longtemps clandestin, la présence de Guterres n'était pas assurée. Parce qu'on avait fixé les dates sans consulter le secrétaire général. Bon, en même temps, l'armistice du 11 novembre ne peut pas changer la date, mais la réalité, c'est ça. Donc, je provoque un peu, il y a en ce moment un double discours. Le multilatéralisme, c'est très à la mode. Au monde diplomatique journal pour lequel je travaille, je reçois des propositions sans arrêt de gens qui veulent écrire des textes très émouvants sur le multilatéralisme et la nécessité de le défendre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que le multilatéralisme fonctionne ? Je pense que la première chose, c'est de remettre les Nations Unies au centre. Donc ce qui s'est passé avec le Forum de Paris, à mon avis, était mal commencé. La deuxième chose, c'est de discuter avec tout le monde. Il faut arrêter de se lancer des excommunications, des fatwas. Je ne veux pas recevoir machin, je ne veux pas avoir truc. Le pire étant François Hollande, qui avait quand même interdit à Vladimir Poutine de venir inaugurer un édifice religieux à Paris. C'est vraiment le comble de la... C'est le niveau zéro de la pensée diplomatique, quand même. Bon. Par rapport à la... Oui. Par rapport à la manifestation contre la présence de Trump aux commémorations du 11 novembre. Mais c'est complètement idiot. Excusez-moi, mais c'est complètement idiot. D'abord, on ne peut pas faire comme si Trump n'existait pas. Il a été élu par les États-Unis. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ce n'est pas celui que nous, on aurait choisi. Certainement, enfin, il est là. C'est comme s'il y avait des manifestations d'Américains pour dire qu'ils ne veulent pas d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est nous qui l'avons choisi, c'est comme ça. Bon, à un moment donné, enfin, bon, il y aurait des choses à dire aussi là-dessus, mais c'est ça un autre sujet. Non, ces manifestations sont parfaitement stupides. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme si Trump n'existait pas. On ne peut pas faire comme si Vladimir Poutine n'existait pas. J'irai pas dîner avec Vladimir Poutine, enfin c'est le président de la Russie. La Russie est une puissance européenne. Jean-Marc de la Sablière, qui a travaillé avec John Bolton, saura répondre à mes provocations avec le calme qui sied à un ambassadeur de France. Donc je continue. Donc voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté de dialoguer et de dialoguer de manière exigeante. Quand je dis que le niveau de discussion est médiocre, il est vraiment médiocre. On discute de communication. Est-ce que le président Macron a passé trop de temps sur les champs de bataille, est-ce qu'il n'aurait pas dû ? Ben, on s'en fiche complètement. On discute de communication, on ne discute pas de fond. Et le fond, c'est comment on reconstruit le dialogue international sur la paix,
Et l'une des raisons, là je continue de provoquer l'ambassadeur de la Sablière, l'une des raisons pour lesquelles il y a des problèmes avec la Syrie, c'est qu'on n'arrête pas d'agresser les Russes. C'est une provocation, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Non, je trouve que, effectivement, les Russes se comportent comme une puissance impériale. Bon, bah, les Français aussi en Afrique, les Américains aussi en Amérique du Sud, tout le monde le fait. Bon, le fait est que les Russes sont une puissance clé pour la Syrie. Donc, si on veut trouver une solution sur la Syrie, il faut arrêter d'insulter les Russes. C'est ce qu'on fait tous les jours. En plus, on invente des complots, vrais ou faux. Donc voilà, il y avait plus de discussions pendant la guerre froide. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est le faible niveau de discussion. Et c'est pour ça que c'est très agréable d'être là ce soir avec Pascal Boniface, qui avec l'IRIS se fait tout ce travail pour mettre un peu d'entendement sur la planète. Mais il faut vraiment qu'on s'y mette, parce que là, on est au bord de tensions très très graves. Et la prochaine guerre, allez, je termine par encore par une provocation, c'est probablement pas les Russes qui la déclencheront, c'est les Occidentaux. Ils la déclencheront en Ukraine, la déclencheront quelque part, parce que c'est nous, en ce moment, qui mettons le feu à la planète. Ça a déjà été le cas en Irak et en Libye, par ailleurs. C'est... Romuald, tu as connu une série de secrétaires généraux. Si on se lance un peu dans l'actualité, lorsque Antonio Guterres a succédé à Ban Ki-moon, qui paraissait finalement un petit peu terne, un petit peu lié aux Américains, etc. Et Antonio Guterres a suscité beaucoup d'espoir parce qu'il avait fait un boulot formidable au Haut Commissariat aux réfugiés. Il arrivait avec plein d'ambition. Comment juges-tu son action depuis qu'il est arrivé, sachant quand même qu'il n'est pas le président des Nations Unies, qu'il n'est que le secrétaire général, et que ça vient quand même limiter l'action, et dans secrétaire général, il y a secrétaire et général. Donc, comment vois-tu Guterres par rapport à cela ? Voilà. Je pense que pour lui, la situation est un petit peu difficile. Antonio Guterres a été élu à un moment où il pensait être le secrétaire général de l'ère Hillary Clinton, et il s'est retrouvé le secrétaire général de l'ère Trump. Donc ça change déjà les choses. Je pense qu'Antonio Guterres a toutes les capacités, la carrure, d'être le secrétaire général dont l'ONU a besoin aujourd'hui. Malheureusement, il y a une forme de déception autour de son action depuis son arrivée. Et Cécile parlait de la communication, et chez Antonio Guterres, cela joue surtout autour de sa communication. On a l'impression, on peut le comprendre, que Antonio Guterres a peur de froisser le géant américain. On peut le comprendre quand on voit tous les retraits américains, quand on voit la baisse de l'apport financier américain au maintien de la paix, quand on sait qu'aujourd'hui Donald Trump, qui ne va plus rien pouvoir faire au niveau intérieur, va avoir besoin pour secouer et galvaniser son électorat de s'illustrer au niveau international, et donc risque de s'en prendre à l'ONU et de baisser le budget de façon très conséquente de la contribution américaine. On peut comprendre qu'Antonio Guterres ménage un peu le géant américain. Mais d'un autre côté, ce que l'on aurait pu accepter et comprendre chez Ban Ki-moon, c'était dans sa nature, cette discrétion. On le regrette chez Antonio Guterres. On s'attendait à voir en lui la voix, comme tu l'as très bien dit, le secrétaire général de l'ONU n'a aucun pouvoir. Enfin, il n'est que le premier fonctionnaire de l'organisation, puisque logiquement, c'est le président de l'Assemblée générale qui a prédominance sur le secrétaire général. Néanmoins, comme Hubert Védrine l'avait dit, le secrétaire général peut revêtir les habits d'un pape laïque, ce que Kofi Annan avait su très très bien faire quand justement Boutros Ghali avait été jugé trop général et passé secrétaire général. Donc c'est un peu ce que l'on regrette chez Antonio Guterres, c'est de ne pas revêtir ses habits de pape laïque, de pèlerin du multilatéralisme, et de ne pas être cette voix qui, sans s'opposer systématiquement et bêtement à l'administration Trump, pourrait néanmoins être celle des populations et une réaction à la violence de l'action américaine envers des traités qui ont été signés par celle-ci, de retraits qui sont un peu violents, etc. On attendrait d'Antonio Guterres de monter un peu plus au créneau. Jean-Marc de la Sablière, par rapport à la dernière réflexion de Romuald sur tous ces traités qui sont remis en cause, on pourrait multiplier les exemples. L'accord sur le nucléaire iranien, non seulement remis en cause, mais en plus assorti de menaces sur les pays qui voudraient continuer à respecter, ce qui est en fait une gravité encore supérieure.
retrait américain de l'UNESCO, retrait de l'accord de Paris sur le climat, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ONU, si elle n'existait pas, est-ce qu'elle pourrait être recréée? Et quels sont, comment essayer de réinventer le multilatéralisme? Vous disiez tout à l'heure que Donald Trump est là pour encore quelques temps, mais au-delà, finalement, par exemple, les bombardements sur l'Irak, ils ont commencé en 1998, c'était un président démocrate, Bill Clinton, qui était président et sans accord de l'ONU. Donc, les Républicains et Donald Trump, est-ce que ce n'est pas en fait un phénomène amplifié, mais d'une structure lourde des États-Unis à refuser le multilatéralisme de façon générale par rapport à la considération qu'ils ont de leur poids de l'histoire, de leur force et de l'auto-célébration qu'ils font de leur propre valeur? Je voudrais dire d'abord que je partage entièrement ce qui a dit sur Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, il a très peu de pouvoir dans la charte. Il peut attirer l'attention et puis il dirige le secrétariat. Alors, dès le départ, ça je crois que c'est important à dire, dès le départ, très vite, il y a eu un homme, moi je crois qu'il y a eu deux grands secrétaires généraux, Dougal Marshall et, enfin, c'est la période récente, Kofi Annan, je pense, son secrétaire. Mais Dougal Marshall, il a changé le job. Et Brian Urquhart, qui est souvent cité dans le livre, hein, juste titre, qui est un grand témoin, hein, qui a été très très longtemps secrétaire général adjoint à l'intérieur, il s'occupait des départements politiques, a dit au moment du cinquantenaire de la mort de Dougal Marshall, il a, cet homme, enfin il n'a pas dit ça comme ça, mais deux choses. Ça. Un, il a fait en sorte que l'ONU ne soit pas uniquement des résolutions, mais qu'on la voit sur le terrain. C'est l'homme, les casques bleus, tout ça. Ça, c'est quelque chose. Hein, l'affaire du Congo, l'affaire de Suez, etc. Ça, c'est quelque chose. Et deuxièmement, le secrétaire général est devenu un acteur important de la diplomatie mondiale. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà. Bien. Maintenant, sur Guterres, je pense. Il dit des choses, Guterres. Mais alors, c'est que parce que Kofi Annan parlait très bas et ça portait. Hein, comme ça. Hein. Comme ça. Bon, mais il dit des choses. En revanche, ce qu'il ne fait pas et que d'autres ont fait, c'est qu'il ne va pas assez essayer de régler les problèmes difficiles. On ne le voit pas, je veux dire. Il a commencé à Chypre, ça n'a pas marché. On ne le voit pas tellement sur le dossier syrien, il y a ses représentants, etc. Bon, mais Pérez de Cuéllar savait faire ça. Hein, il avait été à l'intérieur. Bon, il a pris les... Bon, alors, peut-être qu'il est extrêmement prudent, et c'est vrai. Et c'est vrai que sa situation n'est pas facile. Mais moi, quand j'ai écrit un livre qui s'appelle « Indispensable l'ONU », à la fin, je dis « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Eh bien, je disais, parmi les choses qu'il faut faire, il faudrait que le secrétaire général essaye, avec toutes les difficultés, de régler les dossiers. Hein, je veux dire, quand même. Bien. Alors, recréer l'ONU, moi, je suis convaincu qu'on ne change pas la gouvernance mondiale dans le domaine politique en dehors des périodes en sortie de guerre ou les périodes de grands changements, si vous voulez. Vous ne pouvez pas changer la gouvernance politique mondiale à froid. Vous pouvez la faire évoluer, vous pouvez corriger, vous pouvez profiter des circonstances, mais on ne va pas dire comme ça, du jour au lendemain, ça ne marche pas le multilatéral, mais on va faire en sorte que ça marche. Non, on ne va pas recréer, on ne va pas recréer l'ONU. Si l'ONU ne va pas disparaître comme ça, mais si l'ONU, comment dirais-je, perdez à ce point du crédit qu'on ne fasse plus appel à l'ONU et que se crée parallèlement des tas d'institutions et que finalement ça s'assèche et qu'on l'utilise uniquement quelquefois ici ou là pour un conflit. Si ça se produisait, on perdrait énormément. Énormément. Et donc, je pense que l'agenda, comme on dit, c'est pas de recréer. L'agenda, c'est de faire en sorte que ça marche mieux, ça veut dire à la fois, comme disait Cécile, je trouve que le livre a raison d'être critique, par moment, d'abord ça crédibilise votre... C'est-à-dire qu'il aime bien châtiment, je veux dire, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, le fait de le dire peut conduire à le faire qui marche mieux après. Je veux dire. Donc, c'est, bon, alors on peut ne pas être d'accord sur telle ou telle critique, mais c'est bien, je trouve, de critiquer. On ne peut pas recréer l'ONU. Alors, maintenant, pour revenir en fait, la question, c'était, si l'ONU n'existait pas, est-ce que... on pourrait le créer sans pas le recréer, mais est-ce que les pays qui ont signé la charte en 1945 seraient prêts à la signer aujourd'hui? Et je fais notamment référence, bien sûr, aux États-Unis.
Non, je suis pas. Il n'y a pas le même esprit, je pense. Donc on se retrouverait, je crois, confronté au problème de la nécessité d'une coopération dans beaucoup de domaines techniques. Je veux dire, vous ne pouvez pas voler si vous n'avez pas l'OACI, vous ne pouvez pas surfer sur le net si vous n'avez pas l'UIT, vous ne pouvez pas regarder la météo le matin si vous n'avez pas l'OMM, vous ne pouvez pas vous balader en étant sûr que les bons vaccins sont là si vous n'avez pas l'OMS, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est des choses qu'on peut... éventuellement, vous ne pouvez pas aller sur le marché si vous n'avez pas le codex qui est créé par la FAO, l'OMS, etc. Bon. L'ONU, c'est plus. Je veux dire, c'est un ensemble. Je veux dire, c'est à la fois les Nations Unies, c'est à la fois le domaine de la paix et la sécurité qui est le pilier. S'il n'y avait pas eu le problème de la paix et la sécurité, il n'y aurait pas d'ONU. Je veux dire, l'ONU a été créée pour éviter, pour prévenir l'humanité d'une nouvelle guerre. C'est pour ça que Roosevelt, je veux dire, a poussé à la création, je veux dire, de l'ONU. Vous pouvez pas. Ça serait totalement, je pense. Différent. Moi, dans un livre que j'ai écrit sur le Conseil de sécurité, je dis, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas le Conseil de sécurité ? Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Bon, si on réfléchit, donc, on est ici dans la thème, il y a une chose dont je suis certain, c'est que les pays les plus faibles en pâtiraient. Qu'il y aurait probablement des créations de zones d'influence à nouveau, et que, les pays, et que la question dont il faut qu'on parle de l'usage de la force se poserait autrement. Ça veut dire que la charte, les principes seraient beaucoup, beaucoup plus violés encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc moi, je ne pense pas qu'on pourrait aujourd'hui avoir un projet aussi, comment dirais-je, ambitieux humainement au jour d'aujourd'hui. Mais comme je suis un vieux sage, peut-être que dans 5 ans, je vous dirai autre chose si je trouve que les choses changent. Mais au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, quand je regarde le paysage... Non, je veux juste rebondir sur une chose, parce que vous dites quelque chose dans la préface que j'ai trouvé très intéressant. Le livre d'Anne Cécile et de Romuald Schura, au fond, quand vous partez de l'ONU, vous pouvez très bien... Il faut toujours parler d'histoire, hein, je veux dire, pardon. Vous pouvez très bien dire ce qui est vrai. Bien c'est pour qu'il n'y ait plus une nouvelle catastrophe comme celle de la Deuxième Guerre mondiale, après la catastrophe, vers le début de la charte, c'est les peuples, nous les peuples, etc., qui fait référence aux deux guerres, qui ont une génération, deux générations, etc. Bon. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il faut, le livre part de plus loin. Ça veut dire qu'il explique, je crois, que certes, l'ONU, c'est quelque chose qui a été créé, discuté pendant la guerre, adopté alors que la guerre n'était pas encore totalement finie. On était sur le point d'être finie, mais c'était en juin, si vous voulez, 45. Bon. Certes, c'est ça. Mais les racines vont plus loin. Les racines sont plus anciennes. L'échec de l'ASDN fait partie de la construction de quelque chose qui est extrêmement civilisé, qui est un système de sécurité collective. Et vous dites, dans la préface, vous notez que les auteurs disent que l'avenir de l'ONU est un enjeu de civilisation. Que l'avenir de l'ONU est un enjeu de civilisation. C'est, si vous voulez, un projet qui est un projet complet. Il y a certes la paix, la sécurité, il y a les droits de l'homme, il y a le développement, il y a tout ça. C'est un projet complet. Si vous saucissonnez tout ça avec une volet paix, sécurité qui est extrêmement faible, hein, c'est totalement différent. Et créer l'ensemble aujourd'hui, non, gardons ce que, défendons le bien commun, essayons de l'arranger un peu, de le réformer pour que le bateau tienne encore un moment sur la flotte et arrive au bon port. Alors, Anne-Cécile Romain, je ne sais pas comment vous avez fait votre écriture à carte et à quatre mains, vous avez réparti, mais ce que j'ai trouvé, enfin, entre autres, mais j'avais noté dans votre livre, souvent, on critique, il est de bon ton de dire le droit de veto, c'est ce qui empêche l'ONU de fonctionner, etc. Et vous détruisez un peu cette idée reçue en disant que, finalement, sans droit de veto, l'ONU ne fonctionnerait pas mieux. L'ONU n'existerait tout simplement pas. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, là, je ne sais pas, un peu élaborer là-dessus, puisque on entend quand même très régulièrement dans les commentaires, c'est le droit de veto qui bloque l'ONU, droit de veto russe sur la Syrie, droit de veto américain sur Israël. Alors, c'est vrai que ça bloque, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Oui, c'est le reproche qu'on fait le plus souvent à...
à l'ONU, c'est le veto. En fait, il faut se rappeler d'abord que sans veto, il n'y a pas d'ONU. Hein. D'ailleurs, si l'existence du droit de veto, c'est ce qui a scellé l'accord entre les grandes puissances, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, qui n'auraient jamais accepté les Nations Unies s'il n'y avait pas eu cette sauvegarde qui était le droit de veto. Et alors, en revanche, la question qu'on peut se poser, c'est si cet usage du veto est un usage paralysant de l'organisation. Mais il faut quand même se rappeler que en 2003, Jean-Marc de la Sablière en parlait tout à l'heure, parce qu'il était. Pourriez nous raconter d'ailleurs comment ça s'est passé l'agression américaine contre l'Irak. C'est la menace du veto français qui a empêché que les Nations Unies soient discréditées dans cette affaire. Bon, ça n'a pas empêché la guerre parce que les États-Unis sont le pays le plus puissant, mais c'est parce que la France disposait de ce droit de veto que les Nations Unies ont échappé à ce qui aurait sans doute été un très grand discrédit pour elles. Donc il n'y a pas de vision simple du droit de veto. Et il faut sans doute avoir une réflexion, je ne sais pas ce que tu en penses, Romuald, sur l'équilibre international auquel correspond ce veto. Vrai qu'on l'a installé en 1945, entre cinq grandes puissances qui représentaient quelque chose à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ces cinq puissances sont toujours celles qui représentent le mieux la diversité de la planète, parce que c'est ça aussi qui est en jeu, ou est-ce qu'il faudrait penser à élargir avec le risque de la paralysie bon, sachant que les cinq actuels, ça représente quand même, il y a une certaine logique, hein, les États-Unis, la Russie, la Chine pour représenter un peu le Sud, la France qui est normalement une troisième voie. Bon, on pourrait peut-être se passer des Britanniques, non Je suis entièrement d'accord avec Anne-Cécile pour ce qui est du droit de veto. Le problème est la représentativité du Conseil de sécurité. Par contre, au contraire d'Anne-Cécile, je ne suis pas certain qu'il était déjà, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, totalement représentatif de l'ordre international, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais je ne suis pas certain qu'il l'était, surtout si on considère la présence française, qui est très importante, à laquelle je suis très attaché. Mais rappelons-nous que c'est grâce à la volonté du général de Gaulle que la France a pu avoir ce siège. Et de Churchill. Et de Churchill, bien sûr. Mais de Gaulle qui a poussé Churchill, et Churchill qui avait conscience qu'il était important que la France demeure dans cette position pour un équilibre européen. Aujourd'hui. C'est pour compenser le commentaire d'Anne-Cécile sur la Aujourd'hui, bien sûr qu'il faudrait élargir le Conseil de sécurité. Je ne pense pas qu'on assisterait à une paralysie. Je pense que si cet élargissement était intelligent, il pourrait fonctionner. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de paralysie parce que c'est à 5, donc je ne vois pas trop pourquoi il y aurait une paralysie. Par contre, je pense que cet élargissement n'est pas près d'arriver, c'est un serpent de mer. Personne n'a véritablement envie d'y œuvrer. Chaque fois qu'il y a un nouveau secrétaire général, un nouveau chef d'État influent, etc., on va y travailler. Voilà. Je ne pense que malheureusement, nous n'allons pas y arriver de sitôt et que pourtant, c'est la chose la plus nécessaire qui serait aujourd'hui à faire dans les réformes de l'ONU. Jean-Marc Lassablière, sur le droit de veto. Oui, moi je vais vous faire donner trois anecdotes. À San Francisco, il y avait un sénateur américain, O'Connell, qui faisait partie de la délégation. Et ceux qui ont attaqué, moins, je veux dire, l'existence du veto, c'est pas évident, mais qui ont cherché à encadrer le veto en disant on pourrait utiliser le veto uniquement dans le cadre du chapitre 7, lorsque l'on parle de l'usage de la force, etc. Bien. Ce sont les Australiens. Un ministre s'appelait Evans, hein, Australien. Et donc, appuyé par des latino-américains, tout ça. Alors, Connally, je ne sais pas s'il était texan, en tous les cas, il avait le sang assez chaud. Et à un moment donné, d'après ce qu'il racontait dans un livre qui s'appelle « Five to Rule Them All », hein, qui est un très bon livre sur l'histoire des permanents, il a pris sa feuille et il a dit « Vous pouvez rentrer chez vous, en Australie, et dire que vous avez vaincu le veto, mais vous rentrez sans charte et sans ONU. » Sans charte et sans ONU. Et ce qui était vrai à l'époque est toujours vrai aujourd'hui. Hein, toujours vrai aujourd'hui. Toujours vrai. Alors,
Maintenant, sur le, si vous voulez, je peux en deux minutes vous dire ce qui s'est passé en 2005, pourquoi on n'a pas réussi. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi en 2005? En 2005, on a pensé à une refondation. C'était après le traumatisme irakien, on avait le rapport le millénaire plus 5, et Kofi Annan avait confié à un panel de haut niveau remarquable, c'est Robert Badinter qui participait pour l'eau, donc toute une réflexion, si vous voulez, sur l'ONU, notamment sur l'usage de la force, hein, parce qu'il y a eu l'affaire du Kosovo, il y a eu ça, donc, bon. Et plus sur la question de la responsabilité de protéger, il y avait quand même eu le Rwanda, Srebrenica, donc l'idée c'était une refondation, ça n'a pas marché, hein, on a fait des réformes ici ou là, ça n'a pas marché. Et sur les affaires, si vous voulez, d'élargissement, on a cru, à l'époque, qu'on allait y arriver. Ça veut dire que les quatre pays qui étaient parmi les candidats à un siège permanent, parce que l'idée, c'est d'élargir avec des permanents et des non-permanents. Donc, ces quatre pays, bon, sans compter les Africains, qui étaient les quatre pays, l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Brésil, se sont dit, attendez, on ne va jamais arriver à un consensus là-dessus, donc on va prendre les choses en main, et l'objectif, ce n'est pas d'avoir un consensus, parce qu'on n'aura jamais un consensus. Il y a tous ceux qui sont les premiers recalés, qui ont passé un concours, les premiers qui sont les premiers recalés ne sont pas contents, donc ils organisent le monde, notamment, pour que ça ne se fasse pas. Bon. Et alors, on va passer nous-mêmes là une résolution, et il faut 128 voix. Là, ils ont commencé, ils se sont dit, c'est bien le diable, si on n'arrive pas à regrouper 128 États, on est quand même assez influent. Et puis, comme pour amender la charte, il faut les deux tiers, mais qu'il faut aussi la ratification des permanents, ils se sont dit, on peut tout relancer, c'est à l'Assemblée, les permanents n'ont pas de veto, et puis le jour où ils ratifieront, eh bien, ils auront le couteau sous la gorge, ils seront bien obligés de ratifier, on verra ce qui se passe plus tard. Et moi, j'avais les instructions du président Chirac de les appuyer, de les aider, ce que j'ai fait, et on a échoué. Bon. On a échoué. On a échoué sur un projet, je reviens du veto, qui élargissait le Conseil de sécurité à 6 membres permanents, aux 25 membres, donc 6 permanents plus 4 non permanents, pour arriver à 25, n'est-ce pas? Je vous passe les détails, mais les membres permanents sans veto. Sans veto. Et les 4, il est quand même rentré au Conseil de sécurité, il faut quand même qu'on ait le veto. Bon. Et nous, on était pour qu'ils aient le veto, les Français. Bon, sans veto. Et ils ont compris, très vite, moi, on les a aidés à comprendre aussi, hein, on les a compris que jamais la Chine n'accepterait le Japon avec le veto. Que jamais le Congrès américain n'accepterait que les nouveaux membres, ils trouvent déjà trop compliqué que les nouveaux membres, si vous voulez, aient un veto. Et quant aux Russes, on touche à rien. Bon. Alors, ils ont réuni 100 voix sur les 128. Alors, les provinces, on sait que ça vaut, mais enfin, quand même, on peut dire, ils ont réuni 100 voix. Sans compter les Africains. Les 128. Les Africains, ça fait une cinquantaine, 53, 54 voix, 53, 54 voix. Et tout le monde. Alors, les Africains, ils avaient adopté une position très optimale, optimum, en disant on veut que les Africains, les deux membres permanents, c'est nous, Africains, qui les désignons et pas l'Assemblée générale, on veut qu'il y ait les nouveaux permanents et un veto, on veut en plus qu'il y ait un nouveau membre non permanent africain par rapport à ce que vous nous proposez. Bon, alors, tout le monde se disait, c'est une position de négociation. Consensus de Ouzoulouindi, j'espère. Bon. Eh bien, les Africains ne se sont pas divisés. Ils sont restés sur la position maximum. Et je peux vous dire que moi, je pensais qu'ils se diviseraient. Je suis planté. Je peux vous dire que j'ai encore un coup de téléphone qui jouait avec Kofi Annan un soir, où on parlait de ça. Et Obasanjo lui disait « ça marche bon. ». Bon. Eh bien non. Donc, ça ne s'est pas fait. Et je le regrette énormément, parce que c'était véritablement une opportunité. Je regrette. Bon, les Africains sont les Africains qui décident de ce qui est leur intérêt. Personne n'a le droit même de leur dire ce qu'ils considèrent être de leur intérêt. On peut porter un jugement. Moi, je pense, si vous voulez, qu'ils ont raté une occasion, parce que
ils arrivaient au Conseil de sécurité, qui a la moitié du programme de travail sur l'Afrique, beaucoup plus fort. En tous les cas, ça a été bloqué. Et depuis, ça ne se fait plus, et je ne pense pas que ça se fera dans un temps proche. Je crois qu'un jour, probablement, si on passe les épisodes Trump et autres, je pense qu'un jour, peut-être, ça se fera. Sur l'Irak et le veto, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Les Américains... Alors, l'histoire du veto en 2003. Ce qui s'est passé, c'est que en janvier 2003, les Américains nous disent « Nous, on y va. On va, militairement, on y va. » Convaincus que Saddam Hussein ne coopérerait pas avec les inspecteurs qu'on avait en place, etc., et que finalement, tout le monde serait assez d'accord. On y va. Nous, on leur dit, attendez, vous ne pouvez pas y aller comme ça. Je veux dire, c'est pas... on a une résolution, et on a des inspecteurs qui sont arrivés maintenant. Si le travail s'effectue correctement, on règle le problème des armes de destruction massive. Ça veut dire on constate s'il y en a ou pas, et s'il y en a, on les détruit de manière pacifique. On n'a pas besoin, et ce serait illégal, on n'a pas besoin d'une guerre, et en plus, ça va créer une pagaille dans la région, là, ça va diviser l'Irak. Enfin, j'ai encore, moi, en mémoire, ce que Jacques Chirac a dit à Bush comme ça. Hein, je veux dire, tu auras les chiites à Bagdad, etc. Je veux dire, bon. Eh bien non. Et alors, à ce moment-là, quand ils nous ont dit qu'ils y allaient en janvier, et qu'on a compris qu'ils y allaient en mars, il ne fallait pas, c'est ça qui s'est passé au Conseil de sécurité pendant 2 mois, il ne fallait pas qu'ils soient légitimés, c'est ça qu'ils ont sauvé, qu'on a sauvé peut-être, il ne fallait pas qu'ils soient légitimés par une résolution. Et plus on avançait dans les semaines, plus la pression militaire faisait que Saddam Hussein coopérait. Et donc, plus ça paraissait absurde qu'il y ait une guerre. Et l'enjeu, c'était quoi? C'était qui allait avoir les votes des pays non permanents. Parce que les non permanents, ça compte également. Les majorités, ça se fait avec les non permanents. Qui allait avoir les votes des pays non permanents? Et les pressions américaines étaient considérables sur les pays non permanents. Enfin, vous imaginez. Ce que vous imaginez, ils l'ont fait. Les pressions étaient considérables sur les pays non permanents. Et les pays non permanents, ils n'avaient pas envie. Ils se disaient tout ça n'est pas justifié, et puis c'était très, 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 très compliqué pour eux. Et nous avons réussi à faire en sorte qu'ils ne basculent pas du côté américain. Les Américains pensaient que s'ils avaient le vote des non-permanents, eh bien, ils avaient 9-10 voix, et que nous, on calerait qu'on n'oserait pas mettre le veto, les Russes et les Chinois. En fait, on aurait mis le veto de toutes les façons avec les Russes et les Chinois. Ça, il n'y a pas de doute. Mais eux, c'était l'analyse qu'ils faisaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont jamais eu les votes des non-permanents. Et donc, à un moment donné, les pressions étaient telles, c'est écrit dans les livres qui ont été écrits par des non-permanents, par les Chiliens notamment, moi je connais l'affaire parce que j'y étais mêlé, à un moment donné, les Chiliens, parce que c'était un peu, vous savez, comme l'affaire de Race et des Curias, vous prenez le Chilien qui est le plus faible, le Mexicain tombe avec, et puis ensuite les Africains vont tomber, c'est comme ça, avec le truc de domino. Les Chiliens nous disent, ils m'ont demandé de venir voir un samedi matin, ils me disent, on ne résiste plus aux pressions, sauf si, et c'est là qu'on rejoint le veto, on ne résiste pas aux pressions. Il nous revient que vous pourriez vous abstenir. C'est pas juste. Une abstention pour nous, on se brouille avec les Américains, une abstention, si vous vous abstenez, c'est un cadeau pour les Américains. Donc, nous vous demandons de dire clairement que sur un texte tel qu'il est aujourd'hui, avec les circonstances, vous voterez non. Et on a dit, on va le dire. Et Jacques Chirac a dit. Et donc, le veto a eu pour effet que les Américains n'ont jamais eu les voix. Ça veut dire que le fait qu'il y a eu le veto a protégé les pays non permanents, la bourrasque est venue sur nous, et plus sur eux, si vous voulez. Et 2 mois de négociation, après 2 mois de discussion, les Américains avaient 4 voix. Donc, c'est ça qui s'est passé. Le veto a été très important parce qu'il a permis d'empêcher, si vous voulez, que les pays non permanents passent du côté américain. Ils ont été soulagés parce que les pressions sont venues sur nous. Et je pense que peut-être qu'on a sauvé... je n'exclus pas qu'on ait sauvé l'ONU. Merci pour cette précision historique que chacun appréciera. On va maintenant ouvrir le temps du débat, des questions-réponses. Il y a des micros qui sont à votre disposition. Il suffit de vous lever, de prendre un micro, de
dire qui vous êtes et de dire à qui vous posez la question. Oui, merci, bonsoir, Christian Troubet. Y a un aspect qu'on n'a pas abordé pour l'instant, c'est l'aspect des budgets, l'aspect de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les conséquences que peuvent avoir la politique de Trump aujourd'hui vis-à-vis des agences onusiennes, en se retirant de plusieurs, en mettant de la conditionnalité sur un certain nombre de dons affectés à des pays, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question justement de l'argent et notamment dans le fonctionnement de l'ONU vis-à-vis de ses agences? Merci. Précisément, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, n'étant pas vraiment spécialisé dans ce domaine, mais je vais revenir sur le budget dans une seconde. Je rebondis juste sur quelque chose que Jean-Marc de la Sablière disait lors d'une de ses premières interventions. Je crains malheureusement que Trump ne soit pas la parenthèse. Je crains que la parenthèse ait été Barack Obama. Bien sûr, Trump ne sera pas président dans 8 ans, il ne sera plus là, ça c'est certain. Mais je pense que la dynamique qui est en marche depuis déjà une vingtaine d'années aux États-Unis, et là je parle en tant qu'habitant de ce pays, a des racines très profondes, qu'on ne va pas analyser ici, ce n'est pas un débat sur les États-Unis, mais qui vont continuer à se prolonger. Alors peut-être sommes-nous dans une parenthèse, cela est peut-être une longue parenthèse, mais la parenthèse n'est pas Trump. Donc je pense que tout ça va continuer à se développer et que donc les répercussions sur les Nations Unies vont être beaucoup plus importantes que ce que nous pouvions penser il y a encore quelques années, au cours de la prochaine, si ce n'est des prochaines décennies. Donc pour ce qui est des réductions de budget, c'est tout à fait catastrophique. Regardons ce qui se passe déjà avec le maintien de la paix. Imaginons demain si les États-Unis décidaient de geler leurs contributions. Il n'y aura pas cette fois-ci un Ted Turner qui fera un don d'un milliard de dollars, nous ne sommes plus à cette époque-là, ou tout simplement sans la geler, de la réduire. Donc c'est désastreux. Pour l'instant, cela va encore parce que les agences peuvent fonctionner entre elles. Il y a d'autres moyens, il y a des prêts qui peuvent se faire via d'autres organismes. Donc sur le court terme, c'est quelque chose qui peut être contenu, mais sur le très moyen terme, je pense que cela peut être une catastrophe pour le système ONU dans son entièreté. On peut ajouter, bon, si vous regardez ce qui se passe en Palestine, hein, la réduction du budget, Pascal connaît ça mieux que moi de l'UNWRA, c'est terrible pour les programmes en Palestine. Mais alors il y a aussi une conséquence géopolitique, c'est que là où les Américains se retirent, souvent les Chinois arrivent. Et en ce moment, ce qui se passe à l'ONU, c'est que les Chinois qui ont de l'argent investissent la cinquième commission sur le budget, ce qui leur donne un espèce de pouvoir de vie et de mort sur certains programmes. Et d'après ce conseil, c'est que les Chinois mettent de l'argent, prennent tous les dossiers sensibles, avec souvent un point commun, c'est la réduction de ce qui concerne les droits de l'homme. Et notamment, ils acceptent de financer certaines opérations de mission de la paix, de maintien de la paix, à condition que les référents droits de l'homme ne soient plus là. Et donc cet investissement chinois dans l'ONU, investissement financier, risque de se faire au détriment des programmes spécifiquement dédiés à la protection des droits de l'homme qui, comme vous savez, intéressent assez peu les Chinois. Je ne sais pas si Jean-Marc... Ça intéresse beaucoup, mais c'est... Oui. Il y a un mot sur les Chinois. Vous savez, je vais être court cette fois-ci, ne vous inquiétez pas. Je pense, si vous voulez, que la réélection de Trump, je partage entièrement ce qui a été dit. Ce serait pour des raisons financières, parce que les Américains sortiraient définitivement de la COP21 pour différentes raisons. Je trouve que ce serait un très, très, très mauvais coup, système bilatéral et l'autre. Bon, j'espère que c'est une parenthèse, mais je ne sais pas. Je pense que qu'on a besoin de sortir de l'affaire syrienne, trouver un accord, et je pense que les Russes portent une lourde responsabilité et que la balle est dans leur camp, cette affaire, sur le court terme. Bien. Maintenant, quand vous regardez, si ces épisodes sont, si on passe ces épisodes, tout ça, regardez le plus long terme, la Chine apparaît là. Vous ne pouvez pas réfléchir aux Nations Unies
à moyen terme, en admettant qu'on a passé ces épisodes, sans vous demander qu'est-ce que la Chine, si elle le sait vraiment aujourd'hui, voudra faire des Nations Unies. Moi, mon opinion, je serais intéressé de savoir sur les Américains, c'était que jusqu'à une période avec des nuances selon les présidents, pas forcément républicains d'ailleurs, toujours démocrates, mais parce que Bush père, je veux dire, avait été assez onusien, il avait été ambassadeur. En tous les cas, moi, mon sentiment pour les collègues américains, c'était qu'ils voulaient des Nations Unies pas trop fortes pour qu'elles ne les gênent pas, mais qui fonctionnent quand même parce que les États-Unis peuvent en avoir besoin, en Afrique, ici ou là, etc. Donc, si vous voulez, et en même temps, pas trop cher, parce que même si c'est totalement injuste, il y a les idées qui ont été colportées au Congrès, etc. Donc, il faut faire un effort. Mais des Nations Unies, quand même, qui fonctionnent. Que veut la Chine? Est-ce que la Chine voudra... conclusion d'un livre comme sur, que j'ai fait, une nouvelle édition sur le Conseil de sécurité, est-ce que la Chine voudra des Nations Unies fortes, parce qu'elle se considérera finalement suffisamment puissante pour que rien ne puisse, ses intérêts soient quand même soient suffisamment forts pour que ses intérêts ne puissent pas nuire à ses intérêts. Est-ce qu'elle voudra des Nations Unies fortes ou est-ce qu'elle voudra des Nations Unies faibles, qui lui perdent moins fortes, faibles, qui un peu, correspondant un peu à ce que je dis des Américains, qui leur permettent d'avoir une gestion des affaires du monde, elle n'a pas intérêt à ce que c'est la pagaille en Afrique, elle a pas... enfin, qui permettent, si vous voulez, de gérer, et nothing on my backyard, si vous voulez, sur chez moi, non, vous ne touchez pas, là, c'est moi qui décide. Est-ce qu'elle voudra, si vous voulez, ça? Et ça, peut-être qu'eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas une idée encore tout à fait précise, j'en sais rien, mais c'est une question fondamentale. Et l'autre question, c'est l'usage de la force. Et ça, moi, je rejoins ce qu'a dit Anne-Cécile, je termine un de mes livres en disant, on ne peut pas avoir un système qui fonctionne dans le domaine de la paix et de la sécurité si on ne respecte pas au minimum les règles concernant l'usage de la force. On ne peut pas à la fois dire, quand ça vous arrange, non, la charte, et puis quand ça vous dérange, on s'assied dessus. Et donc, les membres permanents ont une responsabilité dans cette affaire. Je veux dire, bon, ça ne peut pas... Moi, je suis convaincu de ça. Alain Jox, je voudrais faire une remarque qui est, disons, c'est un peu en dehors du champ de la discussion, mais c'est, à mon avis, le champ de la discussion future. L'ONU n'a pas été faite pour faire face à la situation actuelle tout à fait originale du système international. Le système international est un système interfinancier et un des objectifs clairs et avoués du système financier, c'est de diminuer la réalité du pouvoir des États-nations. Alors, effectivement, c'est une crise de l'ONU. Ce n'est pas la faute de l'ONU s'il y a une crise, c'est plutôt que l'ONU n'avait pas été fait pour affronter un imaginaire de ce genre qui est tout à fait nouveau. Il est clair qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de, dans l'histoire de la planète un système financier vraiment transnational qui a pour objectif de diminuer les capacités de résistance des États-nations. Évidemment, la SDN n'avait pas prévu peut-être le système de la croissance du nazisme et tout ça. Et je pense que l'ONU n'a pas pensé qu'il y aurait un jour un système dont l'objectif tout à fait managérial était de diminuer la capacité souveraine des États de faire de la politique et naturellement de l'économie. Alors, dans ces conditions-là, il faudrait plutôt aussi se demander, me semble-t-il, quels seraient les nouveaux systèmes qu'il faudrait proclamer nécessaires pour qu'une organisation des Nations Unies soit aussi une organisation désunie que sont les entreprises. Parce que le problème qu'on a maintenant, c'est de créer un système qui s'appellerait peut-être Conseil de sécurité de la macroéconomie, bon, quelque chose de ce genre-là. On voit très bien qu'il se passe des choses qui sont au niveau de la macro-finance, et que par conséquent, il pourrait y avoir un conseil de sécurité, de surveillance des manœuvres macro-financières, etc. Je m'arrête là-dessus parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus, puisqu'il faudrait un système de réflexion qui, d'ailleurs, prendrait tout à fait en considération
les vraies difficultés de l'ONU en ce moment, qui sont dues non pas à un mauvais travail de l'ONU, mais à un nouveau contexte du système des relations internationales de puissance. En fait, le G8, le G20, je crois que vous avez bien vous-même résumé la situation. Lorsque les Nations Unies ont été lancées en 1945-1946, les institutions financières internationales existaient déjà, puisqu'elles ont été fondées en 1944. La question économique et sociale pouvait difficilement être prise en charge directement par les Nations Unies, dans la mesure où vous aviez l'affrontement des deux blocs, avec un dissensus assez grand sur ce que devait être l'organisation de l'économie entre un système soviétique et un système capitaliste. Avec la guerre froide, la fin de la guerre froide, on aurait pu penser que les choses s'arrangent, mais la fin de la guerre froide a correspondu à ce que vous avez bien décrit, c'est-à-dire la victoire, c'était surtout pas la fin des idéologies, ça a été la victoire d'une idéologie financière ultra-libérale qui a pour principale caractéristique la destruction des États au profit du marché mondial. Donc effectivement, alors soit on est pour la destruction des États, la volonté de diminuer l'État n'est ni de droite ni de gauche, il y a des gens de droite et de gauche qui sont contre l'État, mais la question est, qu'est-ce qu'on met à la place ? Moi je pense que l'État-nation reste la cellule de base de la société internationale, et que c'est plutôt pas mal comme ça, parce qu'il y a des cadres historiques qui font que c'est dans le cadre des États-nations qu'on peut aboutir à des formes de représentativité, de légitimité politique, et que hors du cadre de l'État-nation, c'est extrêmement difficile. Alors certains ne sont pas d'accord, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, et qui pensent que la légitimité doit venir de la société civile, et qu'il faudrait créer un parlement de la société civile. Moi, je ne crois pas du tout à ces choses-là, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas, par définition, de principe de légitimité et de représentativité de la société civile. La société civile, d'abord, personne ne sait ce que c'est, et c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, on ne peut pas faire du monde associatif ou de la société civile en général quelque chose de représentatif politiquement. La société civile peut porter des idées à certains moments, comme le climat, mais elle ne peut absolument pas remplacer l'État sur le terrain de la représentativité et de la légitimité. Donc je pense que effectivement, il faut retrouver un moyen de réinstaller les États sur la scène internationale, mais pas des États omnipotents comme dans le temps, qui mettrait tout le monde en coupe réglée et qui discuterait dans des cabinets noirs de l'avenir du monde, des États qui tireraient les leçons de la période actuelle, c'est-à-dire les leçons de la période actuelle, c'est-à-dire on apprend à discuter, il faut que les États apprennent à discuter. Et là, pour le coup, l'idée du forum sur la paix n'est pas mauvaise, hein, c'est-à-dire qu'on fait rencontrer les acteurs politiques et les acteurs privés, les associations, voilà, on peut avoir des États ouverts avec une société civile, des associations qui contribuent à faire émerger des thématiques que les États ne sont pas en mesure, eux, de prendre en charge. Mais la disparition de l'État, qui est postulée par l'ultralibéralisme et aussi par l'extrême gauche, me semble une erreur fondamentale et dangereuse. Il y avait eu un clip des... Enfin, quand Obama a été accusé d'apporter le communisme, bien sûr, aux États-Unis, et ses partisans avaient fait un clip en disant « oui, il y a trop d'États, effectivement, mais il y a un pays qui est très bien, il n'y a pas d'État, c'est la Somalie, parce qu'il n'y a pas de douane, il n'y a pas, etc. » Donc c'est libéralisme absolu, et donc allons tous en Somalie, où l'État, au moins, n'existe pas. Effectivement, cette thématique est assez illustrative. Une autre intervention ou question ? Bonjour. Vous parlez de la remise en cause du multilatéralisme, mais est-ce qu'on pourrait, et du désinvestissement des nations dans les Nations Unies, mais est-ce que c'est pas aussi un problème du fait de la remise en cause de la mondialisation avec tous ses excès, sa consommation effrénée de kérosène qui engendre des effets notamment sur le climat? Est-ce que ce n'est pas cette remise en cause de la mondialisation qui entraîne une remise en cause de la validité de ce modèle-là ? Si je comprends bien votre question, est-ce que ce n'est pas
la remise en cause de la mondialisation qui débouche sur la remise en cause du multilatéralisme, c'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas faire peut-être évoluer le système en fonction de cette évolution géopolitique? Et pour rebondir sur ce que tu disais, Anne-Cécile, on pourrait dire au départ, les Nations Unies ont été inventées pour que des gens différents puissent se parler, puisque l'échec de la SDN, c'est de vouloir exclure ceux qui n'étaient pas comme ceux qui étaient au centre. On a bâti l'ONU pour dire non, ça ne sert à rien de vouloir faire une alliance des démocraties puisque les dictatures existent et c'est quand même avec elles qu'il faut éviter la guerre. Et comme tu l'as fait remarquer, là on est dans un système où de plus en plus on refuse de discuter. C'est quand même plutôt les UCAS, les embargos, les sanctions. On est dans un monde où la différence est exclue. Et donc ça rejoint un peu votre intervention, madame. On pourrait discuter longuement de cette question, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il me semble que le multilatéralisme fonctionne très bien en matière commerciale. Merci. Donc c'est plutôt un contrepoint à ce que vous avez dit. On n'arrête pas en ce moment de passer des traités de libre-échange. Et bizarrement, celui qui est en train de gripper un peu l'affaire, c'est Trump. Non, moi, j'ai plutôt tendance au contraire, à penser que c'est la logique profonde de la mondialisation qui détruit le multilatéralisme, parce que la mondialisation, pour moi, c'est une autre forme de guerre. Quand notre ami Montesquieu, paix à son âme, nous disait « là où il y a commerce, il y a des mœurs douces », je ne sais pas où il avait vu jouer ça. Le développement de la mondialisation commerciale, mais je me tourne vers mes amis, c'est à mon avis, elle est porteuse en elle-même de logique de guerre. Parce que les guerres commerciales sont d'autres formes de guerre. Il faut prendre des marchés. D'ailleurs, les entreprises ont des langages guerriers. Et ce qui se passe maintenant dans la fracture du multilatéralisme et l'échec de la coopération, c'est parce qu'on a tellement poussé les logiques de guerre en les appelant de manière bisounours la compétition, l'émulation, pati patater, que finalement on a perdu les capacités à dialoguer sur les sujets profonds. Donc je ne crois pas que ce soit la remise en cause de la mondialisation qui fracture le libéralisme, le multilatéralisme. Je crois que c'est la logique profonde de la mondialisation poussée à son extrême, qui a fracturé le multilatéralisme, sauf dans les secteurs qui portent la mondialisation, qui sont les secteurs du libre-échange. Les accords économiques se portent très bien. Oui, Ben Kramer. Je voudrais quand même insister sur le fait que la critique par rapport à l'ONU me paraît extrêmement pauvre, pas seulement sur la question des critères du Conseil d'insécurité. Je pense au Conseil de sécurité environnementale ou écologique. Comment se fait-il qu'en 2018, on ne soit pas encore capable d'avoir une autre vision de la question de la sécurité où on inclurait également cette dimension environnementale? Ceux qui ont commencé à partir de 2006-2008 à avoir un débat au Conseil de sécurité sur la question climatique, c'était considéré comme révolutionnaire à l'époque. Je crois d'ailleurs que c'est le Royaume-Uni qui, à l'époque, présidait le Conseil de sécurité. Et depuis, on se rend compte qu'il y a aussi là une énorme opposition de la part d'un certain nombre, d'ailleurs parmi les cinq aussi, sur le fait que la question du climat soit débattu au sein du Conseil de sécurité. Ça me paraît sidérant. Sur la question, par exemple, de la compétition des ressources naturelles, on retrouve là aussi une sorte de complicité entre certains membres du Conseil de sécurité, d'autres pays de l'Assemblée générale, dont l'Éthiopie, qui disent non, il ne faut surtout pas, au nom de la souveraineté, qu'on puisse aborder ces questions. Bref, je vais pas continuer là-dessus, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous pensez de la capacité qu'on aurait à tout simplement trouver, ne serait-ce d'ailleurs que vous, comme compromis, une autre définition, une autre coloration du mot sécurité pour que le Conseil de sécurité soit plus acceptable et plus vrai pour tout le monde? Oui, en fait, je vous trouve
quand même un peu sévère. Et pas... Non, je veux dire, je partage beaucoup de ce que vous dites et dans une autre vie, j'ai même essayé de faire des choses. Mais je vous trouve un peu sévère sur deux points. Un, que je vais simplement mentionner sans rentrer dedans, et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé, c'est le génie collectif qui a été trouvé pour faire l'accord de Paris, qui est l'aboutissement de quelque chose. L'accord de Paris, ce n'est pas fait dans la nuit comme ça, je veux dire. C'est l'aboutissement, si vous voulez, de quelque chose. Bon. Et ce génie, c'est le multilatéralisme dans son meilleur. Et c'était il y a 3 ans, n'est-ce pas ? Hein ? Il y a 3 ans. Alors ça, j'ai dit que je ne serai pas long, mais on pourrait revenir dessus si vous voulez après. Conseil de sécurité. C'est bien avant 2006, même, c'est à la fin des années 90 que les Anglais ont commencé à pousser cette idée. Et il y a, pour comprendre ce qui se passe au Conseil de sécurité, des États, pas seulement parmi les permanents, n'est-ce pas, qui ont une vision restrictive de la notion de sécurité, c'est en gros les crises, les politiques, les militaires, les morts, ça va. Et ceux qui, comme les Français par exemple, ou les Anglais, disent mais c'est vrai que le changement climatique, ça va amener des bouleversements considérables et que ça a quand même un sens qu'on en parle et qu'on puisse prendre des décisions, utiliser éventuellement un jour le chapitre 7, etc. etc. Mais la majorité des États sont extrêmement frileux sur ces questions. Pas seulement les Chinois, les Russes, hein, vous allez trouver les grands pays émergents, vous allez trouver les Brésiliens, les autres sont extrêmement, extrêmement frileux. Et alors, au Conseil, parce que c'est comme ça qu'il est, son ADN, c'est que le Conseil réagit à des crises. C'est très difficile de dire « Ah, mais voilà ce qu'on va faire dans les années à venir », ça ne marche pas comme ça. Ça marche quand il y a des crises. Crise Ebola, l'OMS ne marche pas bien parce qu'il y a eu, c'est un problème de gouvernance au sein de l'OMS, hein, je veux dire, c'est que les bureaux régionaux sont assez politisés en Afrique et c'est pas remonté assez vite. Et, bon, en tous les cas, à un moment donné, l'affaire Ebola, ça veut dire la santé, la sécurité, l'affaire Ebola est venue au Conseil de sécurité, portée par combien de coparins ? 50, 60, enfin je ne sais pas, la moitié un nombre incroyable, parce qu'ils avaient le couteau sous la gorge. Il faut absolument bouger, l'OMS, ça ne marche pas très bien actuellement, donc il faut faire des choses, et au fond, finalement, il faut que les Américains regardent du côté du Libéria, les Français regardent du côté de la Guinée, que les Anglais regardent du côté du Sierra Leone, et puis on fasse des choses. Et donc ça marche comme ça, et donc c'est très difficile, si vous voulez, on peut faire, il y a une réunion ministérielle, les Anglais viennent, les Allemands se disent « Ah, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce serait bien qu'on parle du climat », vous allez avoir des résolutions très générales. Très générales. Il n'y aura pas grand-chose. En revanche, vous avez une crise... Demain, vous avez un truc climatique, vous avez et vous avez une crise des réfugiés, des trucs, vous aurez le dossier. Ça marche comme ça. Bon, vous avez des chances d'avoir le dossier. Au conseil. Merci. On arrive à l'issue de ces débats. Peut-être je vais demander aux deux auteurs donc, de ce livre, Qui veut la mort de la nuit, Anne-Cécile Robert et Romuald Sciorra. Selon vous, très rapidement, pour conclure, quel est l'avenir à court, moyen terme de l'ONU ? Romuald, peut-être pour commencer, puis. Cécile aura le mot de la fin. Sombre, je dirais. Je pense que l'ONU va progressivement disparaître de la scène politique internationale en tant qu'acteur, toujours entre guillemets. Le peu d'influence politique restant à l'ONU va s'étioler progressivement, du moins sur la prochaine décade. Difficile de voir plus loin. Je pense que d'ici 10 ans, l'ONU fonctionnera toujours à travers ses agences qui réalise un travail extraordinaire, comme Jean-Marc de la Sablière le disait, que ce soit pour l'aviation, que ce soit évidemment l'UNICEF, le PNUD, etc. etc. Mais l'ONU politique que nous avons rêvé, que nous avons espéré retrouver au centre du jeu international après la chute de l'Union soviétique, malheureusement, va disparaître de plus en plus. Anne-Cécile, est-ce que tu partages cet optimisme de Romuald ? Eh bien, je pense qu'on va aller tous se suicider dehors. Non, je pense que l'histoire n'est jamais écrite. Et que c'est vrai que là, si on regarde, Romain a tout à fait raison, quand on regarde les grandes tendances,
Il n'y a pas de quoi, et pas de quoi rire. Hein. C'est une période assez, c'est une période très inquiétante. Mais en même temps, on sent aussi grandir des formes, le fait qu'on tienne ce débat, par exemple, que Jean-Marc de la Sablière ait écrit tous ses ouvrages sur l'ONU, que les gens lisent par ailleurs. C'est le signe qu'il y a quand même des interrogations sur l'ordre international. Le fait que la France ait lancé ce forum sur la paix, avec les limites que j'ai soulignées et que je maintiens, c'est quand même le signe qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Mais comme toujours, Jean-Marc de la Sablière le rappelait tout à l'heure, il faut se rappeler que les Nations Unies, ce n'est pas quelque chose de complètement hors sol. Les Nations Unies, ce sont des États. Donc, on a toujours la possibilité de faire pression sur nos États pour qu'ils assument leurs responsabilités. Et souvenons-nous également que la Charte des Nations Unies commence par ces mots « Nous, peuple des Nations Unies ». Après, c'est « Donnons mandat ». Donc, il y a une intention véritablement humaniste dans les Nations Unies dont nous pouvons nous saisir pour essayer de mettre un petit peu d'envergure dans le débat et de faire revenir les Nations Unies au centre des débats. Ça dépend aussi de ce que nous sommes capables, en tant que citoyens, en tant que peuple, d'installer. Quand Jean-Marc de la Sablière rappelait tout à l'heure qu'en 2003, tout le monde avait dit que l'ONU ne s'en remettra pas, elle s'en est remise. Donc il y a aussi le rôle des acteurs, d'être là au bon moment et de faire, au fond, ce qu'on doit faire un peu notre devoir de citoyen. Jean-Marc. Oui. C'est vrai qu'un débat sur l'ONU qui réunit autant de personnes, et on a dû clore les inscriptions parce qu'il y avait trop de demandes et on n'aurait pas la capacité, on aurait eu des problèmes avec les commissions de sécurité si on n'avait pas fermé les inscriptions. Donc votre présence si nombreuse montre que l'ONU intéresse, et peut-être que la conclusion de Romuald et Anne-Cécile ont lié le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Merci à tous et je vous renvoie à la lecture du livre d'Anne-Cécile et de Romuald.